On va rentrer dans le vif du sujet. Séance épaule, un exercice vraiment qui te met dans le rouge direct. Non, je suis choqué par les balèzes, les gars. Ce qu'on appelle ici dans cette salle, parce que je connais toujours pas le vrai nom, le soleil. Clac, arc de cercle, et on contrôle. Et c'est sur la descente. Plus tu contrôles la descente, plus tu souffres. Tu vois? Ok, je vois de quoi tu parles. T'as capté? Et à chaque fois, il y a une petite rotation, tu vois, comme ça, des poignets. Si tu arrives sur l'ensemble du faisceau. Ouais, comme ça, clac, 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 clac. Et en fait, il faut monter pour que les faisceaux ici se croisent. Tu vois? C'est en croisant que tu vas créer la vraie contraction. Contraction meilleure stimulus. Tu vas capter direct, vas-y. Okay. Pareil, tu vois, le dos bien gainé, les abdos gainés. Pour ça, t'es pas adossé. Tu le prends comme ça, le disque? Intérieur du rond, là, tu vois. Comme ça? Ouais, vas-y, c'est bon. Allez. Tu vas trouver la prise. Voilà, magnifique. Là, tu retiens. Lourd, t'as une. T'es à deux. Trop facile pour vous. C'est trop dur. Trois. Viens, papa. Quatre. Ok. Six. T'es à six. Wow. On y va, on y va. Sept. Voilà. Allez, frérot, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Huit. Allez, gainage, gainage. T'es à 9. Là. T'es à 9, t'es à 9, il en reste une. Là. Il en reste une. Allez, allez, isométrie. Reste, papa. C'est vraiment un des pires exos. Et je te jure que quand on le fait ici dans cette salle, on est tous unanimes, c'est un des pires exos. Ah ben là, t'enclenches tout. Un des pires exos. Là, t'enclenches tout. Toute la sentie de partout. Pas mal, pas mal. Et on dirait là, il s'est fait triple vacciner tellement ça a congestionné. Incroyable. Incroyable ce physique à grand saut. Merci frérot, je te retourne le compliment. Bien, je te retourne le compliment. Ah, bon, ici même, vous pouvez poser un verre ici. Non, c'est tranquille. Non, un petit shot de tequila, pas un petit verre. Un petit shot de tequila, tu vois, c'est mignon encore. Bon. À Barcelone frérot, à Barcelone. Ici. Ah, si tu veux. Là et là. En Barcelone, c'est des tacos. Tacos tous les jours. Bon. Récupère un petit peu. Vas-y. Encore deux séries. Je pense qu'à la fin des trois séries globales, on est dead. C'est que le début. Donc, frérot, moi, je sais pas comment je t'entraîne. Je te montre mon entraînement. Pas spécialement le mien. Celui vraiment, tu dois appeler l'entraînement acquis avec des années d'expérience sur moi et surtout des centaines d'élèves et mes amis avec qui je m'entraîne au jour le jour. Comme tu as vu, la puissance, elle est un petit peu là. Tu vois, ça va. Ouais. Mais par contre, sur les épaules, j'utilise des techniques où je mets jamais lourd. Mais quand je te dis jamais, ça veut dire jamais. Là, si je veux, là, le militaire à Smith, je peux mettre 100. Ouais. Je te jure, j'ai jamais développé des épaules en mettant lourd sur du militaire. Par contre, là, si je mets juste 10 kilos. Tu fais des reps et de l'intensité. Et j'utilise. Tu vois, là, si j'utilise ma poigne en serrant fort, ouais. Il va y avoir du flux, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, je vais dissiper un petit peu l'énergie que je mets dans les épaules, dans le reste. Ah, tu vas faire intervenir plusieurs groupes musculaires. Pas que ce jeu. Donc là, juste je la lève, je pousse avec la paume, et en la faisant lentement, la montée comme la descente, je sens que mes deltos. Tu vois, et je te jure que les 10 kilos, là, ils vont souffrir. Tu vois. Et en faisant ça, j'ai jamais de blessure. Ouais, je sais pas. J'ai juste 10 kilos. Et je fais exprès, tu vois, je découpe. Et je te jure que mes 10 kilos, j'ai l'impression qu'il y a plus. Et je préférerais mettre 40 kilos de chaque côté. Mais je le fais pas. Je travaille plus. Ah là, ça commence à bouger. Voilà, c'est bon. Tu vas devoir m'aider bientôt. Encore deux. Allez, allez, je suis pas venu pour t'aider. On y va. On y va. Voilà. Allez, papa. Pousse. C'est bon. Le jeu. Le là. Combien tu en as rappelé ? 10.
direct. Là, je sens vraiment mes deltos sont en fire. Tu la décolles avec deux mains. Ouais. Et après, que la paume. Là, au niveau de la paume. Et prise. Tu vas décomposer. Ouais, normal, là, tu restes bien là. T'as réussi en deux droits quand toi. J'ai rien à t'apprendre. Je te montre juste mes trucs. Avec grand plaisir, bro. Et tu montreras les. Si tu arrives à faire 4-4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, t'es gagnant. Yes, 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 yes. Super. C'est chiant, mais il faut savoir pourquoi t'es là. C'est pas chiant. Et je m'adresse pas à toi, je m'adresse à ceux qui regardent la vidéo. Moi, quand t'es à la salle, c'est un régal. Voilà, bah c'est bon. Quand t'es à la salle, il faut te rappeler pourquoi t'es à la salle. ...99% des gens viennent à la salle pour l'hypertrophie, mais ils vont chercher la perf. C'est vrai. Allez, termine jusqu'à 10 tout seul. Je pense qu'il en reste une. C'est dur. Ah ouais, j'ai bien senti. Je pense que plus lourd, ça serait compliqué avec ce rythme-là. On peut peut-être essayer, mais... On va essayer juste 5. Juste 5, ça va être très dur. Ce qu'ils viennent de dire H, c'est très important, les gars. Trop de pratiquants viennent à la salle en mode perf, en mode je viens pour déplacer une charge comme un fou. Tu viens à la salle pour ressentir tes muscles, pour étirer, pour contracter. Je ne viens pas à la salle pour faire le zwam. Ça peut arriver de faire des perfs, il n'y a aucun problème. Moi le premier, j'en fais. Mais sinon, il faut savoir maîtriser la technique et maîtriser l'hypertrophie, comme il est si bien de le dire. Ça fait, si ton but, c'est l'hypertrophie, si ton but, c'est l'hypertrophie. Travaille sur l'hypertrophie. Si ton but, c'est la perf, c'est ce que tu veux. Bon. Allez. Bien, frérot. Ah, je suis là en train de m'apprendre toutes ces techniques et je vais vous les faire subir quand je vais rentrer à Marseille. Bon. Et à un moment quand t'en pourras plus, ouais. Généralement t'en peux plus sur la montée. Donc moi je peux t'aider sur la montée, par contre la descente, tu peux la contrôler, quand tu peux impossible de toi. Voilà. Quand tu peux plus, tu peux encore. Bien sûr. six, on pause. Parfait, quand tu t'es arrivé, une rep avant l'échec. Si je t'avais dit 12, à 12, t'aurais lâché. Il a sorti un regard. Un regard en mode je vais à la buvette, mais je vais prendre le train à Montparnasse, j'en ai marre. Très haut mouvement, vraiment que j'apprécie énormément, parce que quand tu le fais bien, niveau cardio, tu as l'impression d'avoir fait un 100 mètres. Ouais. De 1. De 2, c'est un mouvement assez explosif. Le mot explosif veut rien dire. On pourra faire une vidéo à part sur ça. Explosif parce que quand tu décomposes dans chaque mouvement, tu es obligé d'aller vite. D'accord ? Ça te donne la puissance et surtout, ça te donne, moi, c'est des physiques que moi j'aime, un aspect assez taureau, tu vois, buff. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Dark side, tu vois, comme ça. Parce que tu travailles les épaules,
et les trapèzes. Moi, j'adore avoir des gros trapèzes. C'est joli. Ouais. Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est un épaulé jeté. Épaulé jeté, mais c'est pas vraiment épaulé jeté. Tu vois, largeur d'épaule. Je monte. Et quand je peux plus, tu vois, lever, je suis obligé de faire. Tu vois, alors. Wow. T'as capté? Ok. Et ensuite, claque, et pareil, tu vois. Okay. Là, c'est barre à vide. Donc, la technique en soi intervient beaucoup moins. Par contre, dès que tu commences à mettre 5 kg de chaque côté, 10 kg, 20 kg, si la technique n'est pas maîtrisée à 100%, t'es mort. Tu ne pourras jamais la lever. Ah, ok. T'auras la force de faire peut-être 20 trucs comme ça, mais la lever une seule fois, t'arriveras pas. C'est la technique. Le passage en dessous. Le passage, tu vois. Donc, là, il y a juste 20 kg. 20 kg, sachant que le mouvement est décomposé en deux temps, ça fait 20 reps. Ah. Si tu fais 10 reps, ça fait 20 reps. T'es mort. Vas-y. Je te laisse commencer. Vas-y, va dans l'espace-temps. Encore un petit peu. Donc là, toujours avoir un pied devant l'autre pour enlever le stress des lombaires. Pied devant. Voilà. Ok. Voilà. 1. 2. 3. Alors, reste là. Et là, il faut que tu vois. Voilà. 4. 5. 6. On pose. Le mouvement, tu l'as. D'accord. Ok. On pose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je le fais pas. J'ai plus de dos. T'as ? J'ai plus de dos. Je le fais pas. Par contre, je vais essayer de t'amener 20 kilos de chaque côté. Et je te jure, tu peux le faire. 20 kilos ? De chaque côté. 60 ? Ouais. Il m'a dit, tu vas pas venir pour rien. Écoute-moi, tu vas sur ma chaîne il y a un ou deux ans. Ouais. 4. Allez, H5. Encore. 6. 20 kilos de chaque côté, j'en fais 10. Ouais. Moi, j'en fais 10. T'en fais 10. Mais je veux que t'en fasses une. Tu vois ? Et c'est un exo que tu vas kiffer, tu vas l'incorporer. Je reviens en prise de masse, promis. Non, je te jure. Une. T'as vu, j'ai dit une rep. Donc, on va monter doucement. Là, vous voyez. On va faire 2,5, 5, 10, 15. Et on va commencer à finir. Voilà, prends-la bien. Recule. Prends la place dont tu as besoin. Coordination. Poigne. Technique. Et puissance. Vas-y. Ouf. Voilà. 2. Une troisième et dernière, ça suffit. Parfait. On pose. Voilà. C'est quelque chose. J'avais dit qu'il allait la soulever, il l'a soulevé facile. Tu vois, c'est sans entraînement, sans rien. Et sachez que c'est une très belle perf. Merci frère. Sans entraînement, sans rien. Moi j'aimerais bien, genre quand tu vas rentrer à Marseille, si tu rentres un jour parce que tu as l'air installé ici, juste 10 kilos, tu vois, ça fait 40 kilos. Ouais. Incorpore-le dans ton entraînement. Je vais le faire. Des séries de 10-15. Wow, je vais le faire, ça déchire. Je te le dédicacerai. Ok, merci. Bon, je me permets de te montrer mes méthodes, mais la vérité, t'as des épaules de ouf. Hein. C'est pas mal. Hein. Je sais. Comment tu les entraînes pas? Si tu savais ce que j'ai dû faire pour développer ça. Bah dis. Vraiment, point faible de base, il n'y avait rien. Ouais. Un moignon. Ça, c'est normal, c'est tout le monde. Voilà. Mais t'as vu morphologie à la Arnold? Épaules basses, pas beaucoup d'épaules, beaucoup de trapèzes. Je les ai assassinés. Énormément de répétitions, de combinaisons d'exercices, biceps, triceps. Ah bah c'est bien comme moi. Giant set. J'ai essayé du lourd à un moment donné, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Parce que ça ne stresse pas assez. Ça fait surtout intervenir tous les groupes musculaires. Ouais, c'est ça. Haut de pec, triceps. Voilà. Bon bah. Ischio. On se rejoint sur ça. C'est vrai que moi, la spécialité, c'est les giant sets. C'est-à-dire, je suis là, genre, j'en peux plus. À la moitié de ma série, j'en peux plus. Je jure, j'y vais, je les tabasse. Ça grossit. Donc là, ce qu'on va faire, 5 kilos de chaque côté. 10, 10, 10, 10, échec. Tu vois, échec, celui-là, spécialité, celui-là, échec. Ok. Latéral, frontal,
développé. Latéral, frontal, développé, arrière, et ensuite tirage, échec. Ok. Normalement, on est à minimum 50 reps. Ouais. Et après, en synergie avec la technique, pas de balancement. Voilà, tu connais la technique de l'ascenseur ? Quand tu prends l'ascenseur, tu ne sais pas si tu descends ou si tu montes. Le poids, il ne doit pas savoir s'il descend ou s'il monte. Pas de balancement. Pas mal. Je vais la ressortir, celle-là. Après toi. Ou si tu veux, vu que tu as fait l'épaulé, je vais faire ça. Allez, vas-y, ouvre le bal. Tu le fais assis ? Ouais, je le fais assis. Comme ça, je balance pas. La séquence va être longue, mais il faut que vous voyez qu'on souffre. Allez, c'est parti. Allez, de toute façon, vous êtes là pour ça. Observez et reproduisez. 4, 5, 6, 7. C'est du sérieux, c'est du sérieux. 8, 9 et 10. Parfait. 1, 2, 3, 4. Parfait. 5. Magnifique. 6. À chaque répétition, ces muscles se contractent. 7. Et c'est ça qu'on veut. 8. 9. Quasiment aucun déchet. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bien. 1. 2, 3, 4, magnifique, 5, c'est du béton, 6, allez frérot, 7, lâche pas, 8, encore, 9, 10, allez, 1, 2, 3, 4, abdos, 5, 6, c'est ça, 7, 8, 9, 10. Yeah. Très bien. Une série. Très, très bien. Une série. Là, j'ai annihilé chaque faisceau. Alors, pour le coup, oui. Chaque fois que tu faisais tes répétitions, dur comme de la pierre. À toi. On remplit les poumons. L'oxygène. On se prépare. On se prépare à la douleur. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, t'es un cinquième frontal. Magnifique. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ok, t'es un 2/5. Oh. Militaire, là on gagne. Militaire, c'est pas le dernier ? Militaire, c'est là, là. Allez, 1. 2, on essaye de stabiliser avec les trapèzes. Voilà. Voilà. Allez. Encore 5. 1. 2. 3. 4. 5. Oiseau. 1. 2, 3, 4, va chercher ici, 24.
Pose la main ici. Voilà. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, maintenant, tirage. Le buste, il bouge pas, c'est que les bras. 1. 2. 3. 4. 5. Il en reste 5. Allez, 5. 4. 3. 2. Il en reste une. Terminus. Terminus. Tu viens de faire une série. On enchaîne. Toi, moi. 4 séries chacun. Normalement, à la fin, on est dead. Allez, frérot, dernière série. Kick-moi ça. On peut bâcler quand on a plus de jus. Tu vois? Il y a 3. 4. Quand je te dis go, tu peux bâcler un petit peu. Vas-y, go maintenant. Allez. 6. 7. 8. 9. 10. Frontal. 1. Voilà, 5 bien, 5 on bâcle. 2. 3. 4. On peut bâcler. Allez. 5. 4. 3. 2. 1. Militaire. 5 normal, 5 on bâcle. 1. 2. 3. 4. 5. On peut bâcler. 1. 2, 3, 4 et 5, oiseau. Pousse vers l'extérieur. 5 normal, 5 on bac. 1. 2. 3. 4. 5. On peut bâcler. 1. 2. 3, 4, 5, tirage. 1, 2, 3, 4, 5, on peut bâcler. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, on pose. Tu es debout face à moi. Pose des haltères. Ok, tu vas te mettre en élévation latérale et moi, je retiens. Ouais. Vas-y. Isométrie. Allez, vas-y. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, force, 8, force, 9, on pose. Allez, tu viens de terminer l'entraînement. Je viens de perdre mes bras. Non, t'es fou. Là, dans 2 minutes, t'as récupéré, tu vois. Mais là, tu as fait deux bons entraînements. Tu fais partie de la team DC Comics maintenant, bien joué. On le savait déjà. On le savait déjà, ça. La DC Comics. Bon, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo avec le fameux Iron Tso. Je suis désolé pour le bruit qu'il y a dans la salle, mais moi, comme je dis toujours depuis le début de mes vidéos,
Je déteste être le genre de personne qui va réserver une salle pour qu'il n'y ait pas d'adhérents, pour qu'il n'y ait pas un bruit, un gogol qui fait un bruit qui nique la vidéo, des bruits d'altères qui sont vivants, par terre, la musique de merde, de bachata de merde. C'est comme ça, t'as vu, c'est la réalité. C'est vivant. Je déteste ceux qui, pour moi, hein, tu vois, ils réservent une salle, il n'y a rien. C'est fake. Ouais. C'est fake. Tu ne peux pas réserver une salle comme ça, c'est fake. Ici, tu viens dans la salle, tu fais vivre tout le monde. Grâce à tes vidéos, la salle est vide, donc tu remercies, tu vois. Énergie Fort Val de Fontenay, merci, le patron, il est là. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est comme ça. J'espère que ça t'a fait plaisir de. Énormément, frérot. Venir à Paris. Merci beaucoup pour la prochaine fois que tu viens, on va dans une autre salle. Yes. On ramène d'autres personnes, je te fais présenter mes autres gars, mes autres élèves, mes potes. Avec grand plaisir. Ou bien moi, je viens à Marseille. Et lui, il va venir à Marseille. On fera les deux. Venir à Marseille, je m'entraîne avec un maillot de Messi. Elle veut me faire tabasser direct. Bon, on est sans vous, les gars. N'oubliez pas, c'est la muscu, pas que la muscu. Peace. On vous souhaite une bonne réception. Iron Soda le building.